Salut, salut les amis, c'est Fit for Fun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo pour l'hybride Ligue et Pays. Je vous ai fait hier l'hybride Ligue, l'hybride Pays, et aujourd'hui, je vous propose l'hybride Ligue et Pays. Les amis, vous le savez, si vous avez fait mes anciennes solutions de l'hybride Ligue et Pays, pour le dernier, on est obligé de faire 10 matchs. Donc moi je vous l'avais proposé avec 8 joueurs je crois, mais vu que les décès avec une grosse note coûtent assez cher, je vous l'ai fait avec 11 joueurs à faire avec 10 matchs. Donc ça va, ça passe encore que vous fassiez 10 matchs avec 8 joueurs ou avec 10 joueurs ou avec 11 joueurs, franchement c'est la même. Donc on n'en est pas encore là, on va commencer par les premiers DCE, on ouvrira le pack direct derrière. Les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai 321 crédits, c'est parce que j'ai commencé à faire l'hybride. Le trèfle à 4 feuilles, il me reste 2 joueurs à acheter et je valide le DCE entier. Donc vous savez qu'il sortira dans la foulée de celui-là. Et la fierté nationale, je pense pas pouvoir la faire la sortir ce soir, je vais peut-être l'attaquer ce soir. Mais je pense la sortir demain, vu que voilà. En plus, je fais pas de live cette semaine, je le ferai jeudi prochain. Et les amis, je pense que ce sera le dernier ou l'avant-dernier. Je sais pas encore. Il faut que j'arrive à me chauffer en fait. Mais voilà. En tout cas, on verra ça. Je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer par le challenger. Le challenger. Je vais noter parce que du coup, je l'avais commencé hier, les amis. Je me rappelle plus trop combien ça coûte, donc il faut que je note pour vous mettre tout ça dans la description. Il fallait 2 nationalités exactement, 3 championnats exactement, 6 joueurs d'un même pays maximum, 6 joueurs d'un même championnat maximum, que des joueurs hors, un collectif à 100. Donc le principe est simple les amis, vous achetez 1, en gros vous achetez 6 joueurs du même championnat en partant du gardien et tout un côté, soit le côté gauche, soit le côté droit, c'est vous qui voyez. Ok, vous voyez 6 joueurs espagnols qui jouent en Liga Santander par exemple. Et après 5 joueurs allemands, mais il n'y en a que 4 qui jouent dans le même championnat. Il faut trouver un autre allemand qui joue dans un autre championnat. Donc vous avez Bundesliga 2, vous avez je sais pas moi, Angleterre 2 par exemple. Moi j'ai pris Eurodivisé. Franchement, c'est à vous de voir. Le seul truc, c'est que si vous achetez n'importe qui, vous allez être à 99 de collectif. Il faut qu'il y en ait un qui joue dans le même club. Vous voyez, là, c'est les 2 joueurs du Celta Vigo pour avoir le plus 1 de collectif. Sinon, vous n'aurez pas le collectif, les amis. Vous serez bloqué à 99. Donc, c'est dommage. Moi, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre ces 2-là. Vous pouvez prendre, j'en sais rien, moi, le DG et le DC de Espagnol qui joue à, ben justement à l'Espagnol, ou je sais pas moi, le MC et le MD qui joue à Mönchengladbach, ou enfin voilà, bref, il y a 40 000 façons de le faire ce DC là. Franchement, vous voyez ce qui sort, mais pensez qu'il faut un joueur, enfin 2 joueurs qui jouent dans le même club et qui soient côte à côte, histoire d'avoir le bonus à plus 1 et donc valider le collectif à 100. Donc les amis, ce DCE là ne coûte pas très cher, je vais compter vite fait en même temps que je vous présente les joueurs, et à mon avis pour 5000 crédits c'est largement faisable. Allez, on commence avec Sergio, Marius Wolf, Timo Baumgart, Unai Nunez, Didac Villa, Patrick Herman, Yannick Aberer, Denis Suarez, Nolito, Niklas Füllkrug, et on termine avec Quique. Donc les amis, franchement, les DCE là, ouais, 5000 crédits, on va dire, pour arrondir, moi il m'a coûté moins, je pense que c'est du 4007. Mais voilà, tous les joueurs, j'ai acheté soit 400, soit 450. Donc voilà, on valide. Pack joueur rare mélangé. On va aller l'ouvrir de ce pas. Je pense pas avoir des joueurs à gérer. Ah bah si, j'ai des éléments à gérer, comme d'hab. Le compte,
on le vendra plus tard. C'est parti, pack joueurs rares mélangé. J'espère qu'on va avoir plus de chance qu'hier, parce que hier c'était franchement galère. On a une animation, je crois. Ah, une grosse anime. Ça commence bien. Espagnol, MDC, Sergio Busquets. C'est pas mal, franchement, ça se prend. Surtout qu'on a besoin de crédit pour faire la fierté nationale. Ce que je vous ai dit, c'est quasiment le seul qui nous reste. L'autre, ça va nous coûter 3-4 000 crédits pour le trèfle à 4 feuilles. Donc c'est pas mal, Sergio Busquets, Sommer, ça c'est sympa. Après le reste, ça se prend quoi qu'il arrive. On envoie tout ça sur la liste des transferts et on verra plus tard. On est pas mal, franchement, si ça continue comme ça, ça peut être sympa. On passe au deuxième DCE de cette hybride Ligue et Pays. C'est le DCE avancé. Donc là les amis, il fallait 3 nationalités exactement, 5 championnats exactement, 5 joueurs de même pays maximum, 5 joueurs de même championnat maximum, une note générale à 79, un collectif à 100. Donc les amis, ce qui bougera pas, c'est MG, MC, DG, il faut même championnat, même nationalité, même club. Voilà, ça c'est fait. Côté droit, enfin, ou côté gauche, c'est vous qui voyez, après vous le faites à votre sauce. Mais MC, MD, DD, il vous faut au moins 2 joueurs du même club. Donc vous voyez là, par exemple, c'est l'Athletic Bilbao. Et bien sûr, 3 joueurs du même championnat et de la même nationalité. Pas forcément du même club, mais la même nationalité. Après, le BU et le MC, il faut qu'ils soient du même club et de la même nationalité. Mais il faut aussi qu'ils soient de la même nationalité que les 2 défenseurs centraux et le gardien. Bien sûr, pour faire le championnat, vous avez bien compris que 1, 2, 3 championnats. Moi, 3 championnats. Lui, il faut qu'il ait le lien avec le côté gauche ou le côté droit, c'est vous qui voyez, bien entendu, je le répète. Sinon, vous n'aurez pas le collectif à 100. Et ben voilà, même nationalité et championnat différent par contre. Donc ben voilà, il y a plusieurs façons de le faire. J'avais fait déjà une première fois, mais Mascherano, il l'avait dit, avait changé de club. Donc du coup, on est passé là-dessus. Au niveau de la note, il fallait trouver des joueurs qui puissent le remplacer. C'est pour ça que j'ai gonflé la note du gardien et du MDMC. Allez, on commence avec Agustín Marquesín, Mario Gaspar, Alejandro Donati, Federico Fernandez, Ryan Bertrand, Ibai Gomez, Beñat, Nicolas Dominguez, James Ward-Prowse, Nathan Redmond, et on termine avec Rodrigo, Palacio. Donc les amis, 6000 crédits pour ce DCE là. On soumet l'équipe et on va aller ouvrir notre pack joueur premium or. Oui. C'est parti les amis, on va ouvrir le pack joueur premium or. Je pense pas qu'on ait une anime là, mais bon, why not. Animation, les amis. Ne serait-ce pas une icône? Moi je crois que c'est une icône les gars. Et oui, c'est Dalglish. Putain, c'est Dalglish. Énorme les amis. Bon ben là moi je suis tranquille pour faire tous les autres DCE. Franchement c'est pas mal. J'avais cru voir blanc. Et au final c'est bien blanc. Dalglish 92, bon, ça doit pas coûter énorme maintenant. Mais il a quand même le double étoile, le double 5, pas le double, mais il a 5-5, 830 000 en offre actuelle. Et les amis, franchement, je me suis refait. Autant hier, j'ai chopé que de la merde, mais alors là, genre, je sais pas quoi dire. Je reste sur le cul, les amis. Franchement, je reste sur le cul. On va le vendre au meilleur prix, hein, 850, 849, 845. Hop, on va le mettre
mettre à 845. Ça, c'est fait. Hop. Hop. Ça, le reste, ça dégage. On s'en fout complet. Putain, les amis, j'ai pas qu'une icône. Bon, c'est pas mon compte, donc franchement, je sais même pas ce que je vais faire des thunes. Parce que ça va me servir à rien. Hop là, il est parti direct. 800 000 crédits. C'est pas mal, je vais pouvoir finir l'hybride. Enfin, la fierté nationale et l'autre. Tranquillou. On continue, les amis, avec le diabolique. Franchement, j'ai galéré à le faire, les amis. J'ai galéré. C'est un truc de malade à faire celui-là. C'était ouf. Franchement, c'était ouf. Donc, les amis, je me suis pas remis de Daglish encore. 800 000 crédits à ce moment-là du jeu, quoi. Bref. Donc, pour ce DCE-là, diabolique, il fallait 6 nationalités, exactement. 6 championnats, exactement. 3 joueurs de même pays. 3 joueurs de même championnat, maximum. Une note générale à 81, c'est là qui est le plus casse-couille, quoi. Et un collectif à 90. Donc, moi, j'ai un collectif à 91. Mais... j'ai le compte, vous voyez, qui a le petit bonus de fidélité. Donc vous serez à 90, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Donc, en gros, 3 joueurs de l'Atalanta. Dans ma première vidéo, je l'avais fait comme ça aussi, parce que j'ai essayé de le refaire différemment, mais j'ai galéré de ouf. Du coup, j'ai fait un mixte de ce que j'avais pu faire auparavant. Et bah voilà, j'ai un peu tout mélangé. Et j'y suis arrivé. Donc 3 joueurs de l'Atalanta. En gros, vous mettez 3 joueurs du même championnat, du même club, mais avec 3 nationalités différentes. Donc là, c'est assez chaud à trouver. Bien sûr, il faut une note aussi. C'est ça qui est un peu galère. Après, 3 joueurs du même championnat, dont 2 dans le même club, pour avoir le petit bonus de plus 1 dont je vous ai parlé pour le premier DCE de cette vidéo là. Et après, le gardien et les deux DC, il faut que ça soit la même nationalité, mais pas le même championnat, parce que du coup, sinon, vous n'aurez jamais 6 championnats. Le DD, vous le mettez du même club, mais d'une nationalité différente que votre DC. C'est compliqué. Et là, vous mettez Verbic, qui fait le lien avec Iličić. Franchement, j'ai galéré. Je pensais pouvoir la sortir hier, cette vidéo. Et franchement, j'ai trop galéré. Du coup, je l'ai fini ce soir. Donc voilà. Ce DCE là coûte un peu plus cher, par contre, les amis, vous vous doutez bien déjà avec Iličić 84, je crois que j'ai payé 7 ou 8 000. 7, ouais, on va dire compter 8 000. Donc c'est assez chaud déjà. Allez, on commence avec Benjamin Lecomte, il coûte 2 000. Hop, putain, qu'est-ce que j'ai foutu. Ah, mais il va y avoir un problème là. Il va y avoir un problème. Voilà les amis, j'ai coupé la vidéo parce que je savais qu'il y avait un problème au niveau de le compte. C'était pas normal que j'avais le bonus de fidélité, mais c'est juste que j'ai fait 10 matchs parce qu'il va le falloir dans le DCE, dans le dernier DCE. Donc j'ai inversé, j'ai mis le joueur que j'ai acheté parce que sinon j'aurais pas eu le collectif pour le dernier DCE. Il m'aurait manqué un et enfin voilà, on va pas faire n'importe quoi non plus. Donc on commence avec Benjamin Lecomte, Lucas Klostermann, Nordi Mukiele, Issa Diop, Benjamin Verbic, Marc Roca, Remo Fröhler, Santi Cazorla, Josip Iličić, Gérard Moreno, et on termine avec Duvan Zapata. Donc les amis, il faut compter 16-17 000 crédits pour ce DCE là. On soumet l'équipe et on va aller ouvrir notre pack méga. Allez, si on peut avoir un bon petit joueur dedans, franchement je suis par contre. Animation encore, c'est la soirée les amis. Bon, cette fois-ci c'est une animation pourrie. Italien. DC, Romagnoli, je l'avais déjà packé hier, je l'avais vendu dans les 5000, là vu qu'elle DCE 89+, double 89+, il y a peut-être moyen, qui coûte un peu plus cher. Hop, en tout cas on envoie tout ça sur la liste des transferts, on a repacké Diop, ok, ça on s'en fout, ça dégage, non, ça, hop,
Ça dégage, on rentre rapide, il n'y en a plus besoin. Hop, hop, hop. Ça, on garde tout, enfin, on garde tout. On envoie tout sur la liste de transfert, on verra plus tard. Hop, et là, on peut dégager tout le reste. Et 1000 crédits, c'est cadeau. Voilà, les amis. Donc, on passe au quatrième et dernier DCE. Le maître puzzle. Donc là, les amis, 11 joueurs avec la fidélité. Il va vous falloir... on va aller chercher... on va aller chercher le compte que j'ai dû inverser. Donc, il doit être sur la liste de transfert, pardon. Hop. Il est là. Voilà. Et voilà. Donc, on reprend le dernier hybride Ligue et Pays. Maître Puzzle. Donc, comme je vous ai dit, il vous faut faire les 10 matchs avec les 11 joueurs. En gros, enfin voilà, le délire, c'est soit vous faites les 10 matchs avec les 11 joueurs, soit vous faites que 8 matchs. Soit vous faites 10 matchs avec seulement 8 joueurs, mais à la place de Ilara Mendy, il faut que vous mettiez soit Bartra, soit Albiol. En gros, c'est juste ça qui change. Donc, vous voyez, parce que Ilara Mendy, c'est. Comment j'ai payé 4004. Et Bartra ou Albiol, c'est dans les 6-7000. Donc, si vous l'avez en non vendable, pourquoi pas le mettre, il n'y a aucun souci là-dessus. À la place de Orban, vous mettez n'importe quel DC qui a 81 de général, mais il ne faut pas qu'il soit dans un des championnats que vous avez déjà mis. Forcément, il ne faut pas qu'il soit d'une nationalité que vous avez déjà mis non plus. Pareil pour le gardien, il faut qu'il ait 82 de général. Donc je vous dis une connerie, vous pouvez mettre par exemple Bowman et Koscielny, par exemple. Hein. Mais voilà, inversé. Mettre le français en DC et celui qui joue dans le championnat allemand en gardien. C'est faisable aussi. Après le reste, honnêtement, c'est très 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 compliqué. Il vous faut à tout prix Johnny pour faire le lien avec un espagnol. Si vous mettez pas Johnny, vous mettez quelqu'un d'autre. Mais il va vous falloir un DC ou un MDC qui soit de la même nationalité et pas du même championnat. J'espère que vous avez suivi, les amis. Il fallait 9 nationalités exactement, 7 championnats exactement, 3 joueurs de même club maximum, une note générale à 82, un collectif à 85. On commence avec Benjamin Lecomte, Pépé, Willy Orban, Assier Ilara Mendy, Jesus Corona, Mario Limina, Jean-Michael Seri, Johnny, Carlos Vela, Radamel Falcao et on termine avec Senad Lulic. Les amis, pour ce DCE là, il faut compter 26 000 crédits. Donc 26 et 16, ça fait déjà 42. 42 et à peu près 11, ça fait 53 000 crédits. Allez, on va arrondir à 50 000, entre 50 et 55 000. Vous faites tous les DCE, bien sûr les amis. Vous devez faire les 10 matchs. Moi, personnellement, les 10 matchs, je les fais en clash d'équipe contre l'équipe spéciale. Là, en ce moment, c'est Alexander Arnold, si je m'abuse. Ouais, c'est ça. Je fais un clash d'équipe. Comme le coup d'envoi est fait, je mets pause. Je mets déclarer forfait. Et voilà, ça prend honnêtement grand max 10 minutes pour faire les 10 matchs. Et ben voilà, ok, ça vous compte 10 défaites. Mais vous validez ce DCE là parce que du coup, vous avez 11 points de fidélité en plus, en collectif, pardon, en plus. Donc vous passez de 74 à 85 et vous pouvez valider le maître puzzle. Le maître puzzle ne vous donne pas de pack à la fin, il vous donne 13 000 crédits et une tenue FIFA. Bon, 13 000 crédits, ça se prend. Donc voilà, on va ouvrir le pack. Je crois que c'est un pack méga rare ou un pack à 50k, je ne me rappelle pas. Pack méga rare, on y arrive. Allez, c'est parti les amis, on ouvre. Ce serait cool de choper un Tots ou un Totti. En tout cas, dans les 4, on a eu 4 animations, les amis. C'est énorme. Dans les 4 packs, on a eu 4 animations. Franchement, ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et on chope Kingsley Coman. Franchement, ça se prend. Ça coûte un peu.
un petit peu dégoûté de ne pas avoir chopé mieux dans le pack méga rare, mais en ayant chopé Dalglish juste avant, franchement, je peux pas non plus trop en demander. Donc, je vais me contenter de ça. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez du lourd aussi bien que moi, au moins. En tout cas, pour une fois que je vous souhaite ça, d'habitude, je vous dis, j'espère que vous aurez un peu moins de merde que moi. Mais là, j'espère que vous allez choper aussi bien, en tout cas. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je sais que vous avez été nombreux à me les redemander. Pour ceux qui veulent la fierté nationale, elle arrivera dans la semaine. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous la sortir demain, voire après-demain grand maximum. Et pour le trèfle à quatre feuilles, elle arrive dans pas longtemps. Voilà, dans la soirée, elle y sera. En fin de soirée, elle y sera. C'est sûr. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. A très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Ciao et merci.